Yo tout le monde, c'est Louis de Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de notre série Skyblock ATM7 to the Sky. On se retrouve aujourd'hui sur le cercle qu'on avait terminé dans le dernier épisode. Mais ce ne sera pas le seul, puisqu'aujourd'hui aussi, on va faire un deuxième cercle qui, lui, sera pour les plantations. Par exemple, pour le blé, pour les carottes, etc. Mais aussi et surtout, j'aimerais récupérer du fer, plein de fer, grâce aux sieves. Comme ça, je ferai des filets en fer. Voilà pour le programme aujourd'hui, alors c'est parti. Pendant que je préparais le setup pour cette vidéo, je bidouillais un peu avec ce que je pouvais faire et j'ai remarqué que si on place du fil dans les barrels, ça permet de les remplir. Bon, c'est extrêmement lent, mais ça le remplit quand même. Et vu que j'ai un coffre rempli avec plein de fils, bah je vais les utiliser pour en farmer. Je vais récupérer genre un demi-stack de terre et on se retrouve tout de suite. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, mais si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker. La plupart du temps, je me retrouve avec une heure d'enregistrement. Je dois transformer tout ça en moins de 15 minutes pour que ce ne soit pas trop long pour vous et que ce soit bien. Non mais tu me coupes toi. Non mais ils m'attaquent eux aussi. Oh ça y est, j'en ai marre. Voilà. Ah car j'ai complété une quête. Tuer le villageois et c'est la main embêtant. Bon bah ok, c'est cool. Et j'obtiens une épée en fer carrément. 100 d'XP. Un piédestal qui affiche seulement. On le place là. Et genre... C'est juste ça quoi. Bon bah super. Alors, si vous pouvez juste prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, je serai reconnaissant. Et voilà, j'ai récupéré un sac de dirt. Maintenant, je vais commencer à placer quelques blocs au hasard sur cette plateforme pour planter les arbres après. Mais d'abord, j'aimerais faire un peu le tri dans mon inventaire. Parce que je n'aime pas que ce soit aussi désordonné. Je vais faire pousser un arbre pour faire un coffre. Et tout ce que j'obtiendrai des sieves, je les mettrai là-dedans. Voilà le coffre et je range tout dedans. Allez, sans perdre plus de temps, je vais commencer à placer la dirt. Je vais en placer un peu partout, un peu loin des bords pour ne pas que ça tombe. Au final, je n'ai eu besoin que de 14 de dirt. Ce n'est pas beaucoup, mais je sais que la dirt me servira prochainement, puisque, comme je l'ai dit, je comptais construire la plateforme pour planter. Bon, allez. Maintenant, on va retourner au cassage de pierre. Notre générateur, il a déjà fait 2000. Voyons voir ce qu'on a cette fois. Alors, 16 pièces de fer qui nous donnent 4. Ça veut dire qu'on peut crafter notre premier filet de fer. Allons prendre un filet au hasard. Et voilà, on a notre filet en fer. Et on a accompli la mission. Ça nous donne 2 à 4 fers et 100 d'XP. On a eu 3 fers. Oh, c'est bien. Pendant que je suis en train de farm le fer, je vais infester les arbres. Comme ça, ils nous donneront du fil pour faire de la dirt. Voyons voir. 22 fers, encore plus qu'avant. Mais what? Et pendant ce temps, on va utiliser la crook pour amener des fils. J'ai déjà fait les deux premiers arbres et la crook elle est déjà cassée. Non mais what? Et voilà, elle est cassée. Oh, par contre, on a plus de la moitié. On a la moitié d'un inventaire en fil quoi. Et bah voilà, c'est tout ce qu'on a pu récupérer maintenant. Je vais aller récupérer le fer que je viens de mettre à cuire. Et je vais faire un autre filet. En cherchant dans les menus, j'ai trouvé que si on appuyait sur le clic droit en indiquant un item, ça nous montre ses fonctionnalités. Par exemple, le sieve en fer, il nous aide à faire un sieve en diamant. Mais aussi, si on utilise de la dirt dessus, ça nous donne toutes ces graines. Donc du bambou, du dark oak, etc. Bon, je crois que j'ai assez farm pour aujourd'hui. Je vais prendre un peu de cobble. Et je vais commencer la construction de cette prochaine zone. Alors, j'aimerais votre avis sur quelque chose. Est-ce que genre, je fais genre une sphère en verre au-dessus, comme ça tout au-dessus, et aussi en dessous pour la zone de storage? Ou bien genre, je fais que des barrières autour? Je sais pas, j'aimerais votre avis sur le coup. Alors, n'hésitez pas à commenter. Alors, c'est parti pour la construction de l'autre cercle. Le problème, c'est que si je fais une seule erreur, va falloir tout recommencer. Hop, vous voyez, là, déjà là, ça n'annonce rien de bon. Ça veut dire qu'on est décalé, vous voyez. L'erreur est dès le début, quoi. Oh là là, purée. Je viens d'effacer la moitié du cercle.
Et ben voilà, j'ai enfin fini le cercle et on dirait pas que je me suis foiré. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre du bois, mais bel et bien de la, mais bel et bien de la dirt. Mais genre le truc, j'ai peur de tomber, genre comme la dernière vidéo, pour ceux qui s'en souviennent, je courais et je plaçais les blocs pour construire le cercle et là d'un coup, bah je tombe quoi. Bon, j'ai plus de dirt. Alors voilà la partie chiante où je vais devoir farmer des fils. Je le rappelle dans chaque vidéo, mais il y a le lien de mon Discord dans la description. Alors si vous voulez le rejoindre, bah vous êtes les bienvenus. On est déjà à 40 membres sur le serveur. Et je vous donne comme objectif d'atteindre les 60 membres avant la fin de mai. Juste cliquez, descendez un peu, il y a le lien dans la description. Vous cliquez dessus et vous êtes arrivé dans le serveur. Et si on atteint les 60 membres, je commencerai à faire des events dans lesquels vous, les abonnés, vous participerez. Parce que ça facilitera la tâche de communiquer si vous entrez dans le serveur. Alors, n'hésitez pas à le rejoindre. Dans mes vidéos précédentes, je mettais plein de musique. Genre, j'édite mes vidéos sur mon ordinateur. Je ne trouve pas que le son il est vraiment haut. Mais genre, quand je regarde sur mon téléphone, genre, je sais pas, d'un coup, ça a l'air beaucoup plus haut le son. Donc je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire, combien haut vous le trouvez. Donnez-moi des idées de vidéos à faire, je les ferai. Des hashtags challenge. Bien donnez-moi des objectifs à faire dans les prochaines vidéos. Je suis tout ouïe. Enfin, je vais lire vos commentaires, pas les écouter. Ah oui, aussi, j'ai pas de bouffe. Il va falloir faire vite pour le champ. Et je n'ai plus de place dans ce coffre. Quand je termine tout ce que j'ai dans mon inventaire, je vais aller pour commencer la construction du champ. Je vais ajouter de l'eau pour irriguer les plantations. Et je vais commencer à planter. Mais par contre, la technique pour les arbres où je sneak des sneaks pour faire grandir, je crois pas que ça marche sur le blé et tout ça. J'espère que ça marche. Parce que genre là, j'ai zéro bone meal. Et bah voilà, j'ai fini tous les fils qu'il y avait dans mon inventaire. Je récupère l'autre sac de dirt que j'avais dans le coffre et les stone wand et je continue la construction. Je suis tombé comme un débile quoi. Ah parce que ma tombe elle est là quoi. Voilà, j'ai fini avec toute la dirt que j'avais. Maintenant, il est temps de passer à l'irrigation. On prend les seaux d'eau et tous les 5 blocs, il faut placer une source d'eau. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais faire une houe. Je vais prendre la première graine de blé qu'on a obtenue au premier épisode, vous rappelez, dans la quest. Je vais faire ça. Voyons voir. Oh, ça marche! Oh, c'est trop cool! Ah oui, et si on appuie sur le bouton de droit, ça replace automatiquement. Genre à la place de casser, bouton de droit, et ça replace. C'est trop cool. Et voilà, on a terminé la quête. On obtient du pain, de la bone meal et 10 XP. Mais heureusement, on n'aura pas besoin de bone meal parce qu'on peut juste shift et pousse. Oh là là, qu'est-ce que je suis content qu'on ait eu que ça peut pousser en shift. What, qu'est-ce que c'est satisfaisant. C'est genre la meilleure partie de la vidéo, quoi. Maintenant qu'on a une source infinie de nourriture, il est temps de passer au fer. Comme dans la dernière vidéo, pour clôturer, on va faire un petit pack opening des familles. Allons-y. Voyons ce qu'on a obtenu. Combien de fer? On a obtenu 6 pièces de fer. Ok, pas mal. Voilà. Maintenant, j'ai assez pour faire un autre filet. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les épisodes qui viendront. Moi, je vous dis, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Bise.